to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. Questions of science, I am some problems. Do not speak as loud as my heart. C'est comme un mirage. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gabriella. Gabriella, et t'as quel âge? J'ai 22 ans. Oh, c'est un accent de chez nous, ça. Et tu arrives c'est de un accent Montréal. Chez nous. Je viens du Québec. Ben, oh yeah. T'as quelques fées qui se sont penchées sur ton berceau, toi, parce que. Entre la voix, l'instrument et l'enveloppe, quand même. Merci. C'est un drôle de sentiment quand tu es dans ce fauteuil-là et tu vois rien. Et je sais que tout le monde à la maison essaie de le faire aussi. Et je sais que c'est extrêmement dur pour toi, pour tous les talents qui sont sur le plateau, de faire ça. Mais en fait, pour nous, c'est du plaisir à 100%. Là, tu justifies le fait que tu appuies en dernier. Et c'est pour ça que j'ai voulu rester dans ce moment de suspens. Franchement, c'était fabuleux. Ouais, c'est délicieux. Beau. Juste d'entendre quelqu'un qui est en train de faire de la musique. Un chœur qui chante. Bon, alors moi, vous m'avez un petit peu émotionné. En fait, il y a un contraste qui est incroyable chez vous. C'est que vous êtes en train d'émouvoir. Enfin, moi, vous m'avez beaucoup ému. Et vous souriez. Et ça... Ce mélange de lune et de soleil en même temps, c'est juste ce que je cherche, moi. Voilà. Donc, c'est ce qui me touche. Ce sourire en même temps, le violon, c'est la justesse. C'est l'école de la justesse, j'en ai fait 10 ans, donc je sais ce que c'est. Laissez les larmes sortir, c'est bien. Je suis ému aussi. Vous êtes une boule de quelque chose entre le feu et je sais pas quoi, de trucs de bienvenue chez moi. Gabriella. Avant d'entendre ta voix, juste l'espèce d'émotion qu'il y avait dans ton violon, c'est pas tout de bien jouer, c'est que tu parlais avec ton instrument. Puis t'apportais quelque chose, c'est dans de la pureté de l'âme. Quoi. Oui, c'est sûr qu'avec la sensibilité que tu as et les qualités que tu as vocales, ça le fait forcément. Chaque année, on se dit, ce serait bien qu'il y ait une fille qui gagne. Et quand on t'entend, on fait, bah tiens, peut-être que cette année, il y en a une qui va gagner. Donc, viens dans mon équipe. Il faut que je choisisse maintenant? Non, non. Non, ok. Tu peux prendre ton temps, tu peux jouer encore, tu peux chanter encore. Honnêtement, j'ai juste envie de boire un verre de vin en ce moment. Avec modération, avec modération. Non, il y en a pas. C'est le verre de Zazie. C'est de l'eau. Ah non. Ouais. T'as changé?
Attends un instant. Garou, donne-moi ton verre. Il n'y en a plus. Il n'y a pas de vin, il n'y a pas de vin. Ok, c'était de l'eau aussi. Allez. Il va falloir que tu choisisses. Joue-nous un petit morceau de violon. Laisse les notes décider. Merci. Bravo. Ah, c'est bon. Ah, t'es fabuleux. Elle a choisi, et c'était quoi? Et c'était ma chanson. Ah. Bon, bah alors, voilà. Je suis ravi, ravi. Je l'ai manqué, j'étais nerveux. Merci. Elle est belle comme un cœur. Merci Florent. C'est grâce à toi. Mais non, c'est pas grâce à moi, elle avait déjà décidé. Sinon, elle aura fait reste les murs porteurs.